Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et on va se faire un petit pack Eredivisie ou CSL. J'attends rien de ce pack, franchement, parce que j'ai eu presque pour 1,5 million de bénéf aujourd'hui entre N'Golan, Savic et Quadrado. Donc j'attends rien de ce pack. Si je peux avoir un bon petit super sub, j'espère avoir au moins soit un joueur dans les ailes. Soit un milieu, soit un attaquant qui est jouable, même si j'ai pas un grand joueur. Après, bien sûr, j'aimerais bien choper soit un Paulinho, soit un Hulk, soit un Jonathan, même si Hulk c'est pas très méta. Mais voilà, c'est avoir un Hulk, ça pourrait être pas mal, ou un Jonathan, ou un Teixeira. Des cartes méta. Après voilà, si j'ai une carte offensive, même ou sinon un petit Marocain, Idrissi par exemple, pour les prolongations en fut champion, ça peut être intéressant. Voilà, je recherche un bon remplaçant. Plus j'ai fait le pack pour pas très cher, je l'ai fait pour à peine 30K. Donc voilà, si je peux avoir un bon petit remplaçant, ça pourrait être pas mal. Après bon, hein, autant je vais avoir un chinois ou un gardien qui me servira pour un autre SBC. Donc voilà, on va ouvrir ce pack et on va voir ce que ça donne. On va croiser les doigts et on va voir si on peut avoir un bon petit remplaçant pour les prolongues ou quoi, ça pourrait être pas mal. Allez, c'est parti. On veut pas chinois et on a chinois. Voilà. J'en étais sûr. Bon, on peut pas avoir de la chance tout le temps, hein. Liu Danzhu. La pire carte, je crois. Après voilà, on peut pas toujours avoir la chance, hein. J'ai eu pas mal de chance aujourd'hui. Donc c'est pas bien grave, ça partira dans un SBC. Mais quelle carte de merde. Quelle carte de merde. Je la souhaite pas à mon pire ennemi cette carte. Donc voilà, ben, on aura tenté notre petite chance au pack CSL au moins. Voilà, on aura tenté notre chance. Mais ce pack, de toute façon, tout le monde que je connais, que ce soit d'autres youtubeurs ou quoi, ils ont packé tous des chinois. Je crois que ce pack, c'est obligé de packer un chinois, je crois. Donc voilà, ben en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.